Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV. Il est 18h02. On a 2 minutes de retard, mais vous verrez, on va se rattraper. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bienvenue sur 01net TV comme chaque jeudi soir. C'est le débrief de l'actualité high-tech de la semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Jérôme Colombin, welcome. Bonsoir François Sorel et bonsoir à tous. 30 minutes à passer ensemble comme chaque jeudi soir. Profitez-en bien. Si vous êtes gentil. C'est le dernier de l'année. Et oui, parce que la semaine prochaine, bon, voilà, le 24 décembre, Jérôme voulait rester avec sa dinde et pas avec moi, donc ça c'est un problème. Et le 31 avec son foie gras. Tu es une bien belle dinde, mais... Merci beaucoup. C'est sympa. Bon, donc on se retrouvera début d'année, bien évidemment, avec plein de surprises, notamment Zéro TV qui partira au CES de Las Vegas, on aura l'occasion d'en reparler. Mais au menu de ce Zéro Live Hebdo, Jérôme, on va parler de GeoHot. On va parler surtout de voitures autonomes, mais avec une innovation un peu surprenante. C'est un garçon visiblement très ingénieux qui a décidé de fabriquer une voiture autonome tout seul dans son coin, dans son garage. Exactement. Il a bricolé ça, comme ça, dans son garage. Est-ce crédible? Est-ce bien sérieux? Pierre Fontaine va venir nous expliquer ça. On va retrouver aussi tout à l'heure Delphine Sabatier pour son Zoom Actu. Et avec Delphine, on va parler de réseaux sociaux et de cette rumeur. Est-ce qu'on pourrait interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans? C'est même plus qu'une rumeur. C'est une décision qui se prépare du côté de la Commission européenne. Donc Delphine va nous dire si c'est bien sérieux tout cela, est-ce bien raisonnable. Et puis le labo 01net sera bien représenté aujourd'hui avec Stéphanie Molinier et Jean-Sébastien Zanqui qui viendront nous parler de Pixel. Vous savez, c'est la nouvelle tablette de Google. Pixel C. On parlera aussi de ce smartphone étonnant. Tu sais, c'est le smartphone que tu peux jeter comme ça là. Tu te rappelles de celui-là? Il adore ça. Mais c'est le moto. Ouais, c'était pas celui-là. Ça marche aussi avec la surface. le Motorola X-Force. C'était pas celui-là. Puis attendez, ne rigolez pas s'il vous plaît, car c'est le retour de BlackBerry. Et là, on ne rigole pas. Ah non, on rigole plus. Là. Non, on rigole plus. Non, on est d'accord. Non. Voilà, c'est bienvenu. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo. Et je vous rappelle, avant de parler de notre sondage, avant d'accueillir Pierre Fontaine, que en ce moment, vous pouvez gagner sur 01net.com jusqu'à 5000 euros de cadeaux. Il y a des smartphones Huawei, des montres connectées, enfin bref, c'est une débauche de high-tech. Incroyable. Et ces cadeaux, donc, sont à vous. Vous allez sur 01net.com et vous participez au concours que la rédaction a mis au point pour vous. Bonne chance, allez-y. Ce n'est pas un concours, mais ça nous intéresse quand même. C'est votre avis sur l'actualité. Comme chaque semaine, la question 01net Orange. Et cette semaine, question sur les réseaux sociaux. Donc Delphine viendra nous en dire plus tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, êtes-vous pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans sans autorisation parentale? Qu'en pensez-vous? Votez. Et pour cela, vous allez sur www.01net.com et vous nous donnez votre avis. On en parle tout à l'heure. Voilà, et à mon avis, ça va se déchaîner sur le sondage. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. C'est un problème intéressant. On compte sur vous. Pierre Fontaine est avec nous. Salut Pierre. Bonjour. Pierre Fontaine, vous le savez, journaliste à 01net.com. Pierre, que se passe-t-il? GeoHot a encore sorti une petite surprise de son sac. Là, c'est une très très grosse surprise. Alors GeoHot, on va peut-être rappeler. Oui, on va d'abord rappeler qui c'est. Voilà. J'ai l'impression que c'est ton cousin, là, que tout le monde le connaît. Mais... c'est George Hotz de son vrai nom. Donc GeoHot, c'est son nom de hacker. Mais c'est pas GeoHot de Père Noël, non. De Père Noël. Non, voilà. D'accord, ça c'est fait. Merci, suivant. Donc GeoHot, en fait, c'est le premier qui a cassé, contourné le verrouillage de l'iPhone, du premier iPhone qui fonctionnait qu'avec AT&T. C'est lui le premier qui a cassé ça. C'est lui le premier aussi qui a breaké la PS3 quand Sony a décidé un jour qu'il n'y aurait plus qu'un seul système d'exploitation installable sur sa console. Et lui, ça l'a rendu fou. Il dit « Oh, je suis pas d'accord ». Et donc, il y est arrivé. Il a été le premier à le faire. Ouais. Évidemment, il s'est mis Sony à dos. Alors, ils ont trouvé un accord où GeoHot n'a plus le droit d'approcher un produit Sony et n'a plus le droit de le toucher. Ce qui fait que d'ailleurs, sur son site, il dit achetez du LG, achetez du Apple, achetez du Microsoft, mais surtout pas Sony. Bref, Sony appréciera. Ouais. Enfin, voilà, donc il y a un petit contentieux. Il est quoi, ce monsieur? Et en fait, ce type, alors juste pour le là, il a aujourd'hui, il a 26 ans. Il a commencé
L'iPhone, il avait 17 ans. Deux ans plus tard, il s'est fait la PS3. Donc, c'est effectivement... C'est un génie. C'est un génie. Et ce qu'il vient d'annoncer, avoir réussi à développer une voiture autonome dans son garage avec ses petits doigts, on pourrait trouver que c'est une vaste blague et ça pourrait sembler pas crédible du tout. Le fait est qu'il a un passé derrière lui, un passif, qui prouve qu'il a des ressources intellectuelles, des compétences techniques, d'autant plus que depuis qu'il a arrêté, c'était son rap, son rap contre Sony. D'accord. C'était assez drôle d'ailleurs. Si vous voulez regarder sur YouTube, ouais, c'est très drôle. D'accord. Donc en fait, depuis qu'il a arrêté de taper sur la PS3, il a participé à des concours visant à trouver des failles dans des produits qu'il a très régulièrement remportés. Oui. Il a fait des stages chez Google, chez Facebook, dans des startups spécialisées dans l'intelligence artificielle. Tout ça pour finalement arriver à ce projet qu'il a révélé à un journaliste de Bloomberg qui en gros aboutit à au bout d'un mois de travail sur une voiture qu'il a achetée. Alors c'est une berline c'est la gamme luxe de Honda. Acura ou un Acura, truc voilà, c'est ça, c'est la gamme de luxe. Donc il a pris, il s'achète une voiture, tout à fait normale. À 30 000 dollars. Il a démonté, le gars. Donc c'est des voitures de luxe, donc il y a déjà des capteurs, qui a un réseau informatique intégré à la voiture. Ouais. Donc il a acheté des boîtiers qu'on vient juste de voir pour intercepter les flux de données qui circulent dans la voiture déjà, pour pouvoir en injecter des commandes. Ensuite, il a fait en sorte que sa voiture soit commandable via un joystick qu'il a installé au milieu de la coudoir qui sépare le siège passager du siège conducteur. Donc grosso modo, je peux conduire ma voiture avec un joystick, mais le joystick, si vous aimez les jeux de pilotage d'avion, c'est le même type de joystick. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'il a réussi à tout contrôler via ce joystick, il a travaillé sur un nouvel algorithme d'intelligence artificielle. En partant du principe, non pas qu'il voulait que sa voiture conduise parfaitement et comme l'a fait Google, mais qu'elle apprenne à conduire comme les humains. Donc il l'a soumis à 10 heures de conduite, pour l'instant c'est très très peu de temps. Ah, oui. Et en fait sa voiture, donc il a fait une démonstration, alors c'est pas encore génial, mais ça fonctionne, il a réussi à faire que ça fonctionne. Alors évidemment, ça fait un peu grincer des dents, parce qu'il a pointé du doigt plusieurs sociétés qui veut dézinguer. La première, c'est Mobileye. Mobileye, c'est une société israélienne, je crois, qui fournit des technologies de suivi via des caméras et des logiciels pour les voitures, alors si ce n'est autonome, au moins qui peuvent conduire dans certaines catégories, dans certaines conditions. Par exemple, les Tesla, avec leur fameux autopilote. Donc ça fait grincer des dents Mobileye, ça fait grincer des dents Tesla, d'autant plus que, comme l'explique le journaliste de Bloomberg, Geo Hot a allé voir Elon Musk, donc le patron de Tesla, lui dit « Ah, bah, je suis en train de développer un petit truc, je pense que je vais pouvoir botter les fesses de Mobileye. » Donc Elon Musk lui dit « Ah ouais, intéressant, tiens, si tu bossais pour moi plutôt, je te fais un gros chèque avec des millions à la clé, mais ta techno, au bout, elle est à moi. Voilà, » Et lui a dit « Ah ouais, non, on fait comme on a dit, moi je fais mon truc dans mon coin, et quand je suis prêt à leur botter les fesses, je te rappelle. » Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, Elon Musk Tesla a publié un post sur son blog en disant « Ah, dis donc, c'est un petit peu n'importe quoi, une personne seule dans son coin ne peut pas faire ça. » Et après, effectivement, ils mettent en avant des arguments qui sont réels, c'est que pour qu'une intelligence artificielle soit vraiment pertinente à bord d'une voiture, il faut qu'elle soit, elle ait tout le temps raison. C'est-à-dire à 99,99999%. Ouais. Et là, d'après ce qu'ils lisent, GeoHot est arrivé au 99%, mais il lui reste cette espèce de, de 0,99% pour atteindre une espèce de quasi-perfection qui fait que sa voiture autonome Est-ce que c'est pas un super coup de... Un coup de com' aussi pour lui, non, c'est certainement un coup de com', mais c'est surtout, et c'est ce qui est intéressant, si c'est ça que... Marche, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train d'offrir une voie. Son objectif, c'est pour 1 000 dollars, proposer un kit composé de 6 caméras, d'une caméra qui permettrait de rendre sa voiture autonome. Grosso modo, il est en train de chercher une troisième voie à peu de frais, avec cette grande tradition du bidouillage informatique qui remonte à Wozniak, d'une certaine manière. Et c'est intéressant parce qu'on se dit que ça sera peut-être très difficile, peut-être qu'il ne va pas y arriver, mais en tout cas, on arrive à ce degré de maturité dans l'intelligence artificielle et dans les voitures autonomes pour que des projets de ce genre apparaissent. Et bon, voilà, GeoHot, comme on l'a dit, il a un parcours derrière lui qui fait qu'on se dit, si quelqu'un doit y arriver, ça peut être lui. Ce qui est rigolo, c'est qu'il sort un petit peu de son,
de son milieu. Hein. Là, c'est, alors, il hack les voitures en quelque sorte. Bah, il sort pas. Il sort, c'est le nouveau territoire. Les voitures sont des ordinateurs. Ouais, ouais. Enfin, maintenant, les voitures. Alors, il y a des roues, ouais. D'accord. Quand ça se crache dans un platane plutôt que dans un écran bleu. Mais ça reste un ordinateur. Ça reste un ordinateur de plus en plus. Donc, grosso modo, ce qu'il dit, c'est moi, les ordinateurs, je sais les hacker, je sais en faire ce que j'en veux. Alors après, il a aussi un égo, le monsieur. Hein. Il dit, ouais, voilà, l'intelligence artificielle, c'est la première fois de ma vie que je me dis que je sais tout ce que j'ai à savoir. Parce que bah, il a lu les documents, tous les documents sur l'état de l'art de l'intelligence artificielle. Il dit, bah, je les comprends. La partie mathématique, elle est simple. Donc l'intelligence artificielle, ça ne me fait pas peur. Alors évidemment, quand on sait qu'il y a des gens qui bossent dessus depuis 20 années... On peut se dire que c'est peut-être un peu... Oui, un peu voilà, il a un peu le melon, peut-être. Ouais, mais néanmoins, bon voilà, il y a d'autres personnes qui ont le melon dans le milieu d'informatique. Hein. On ne va pas citer Elon Musk, par exemple, qui est juste en face. Mais bon voilà. Et puis c'est ces gens-là qu'il faut avancer les choses. C'est clair. Mais peut-être qu'ils auront des choses à se dire, hein, même si pour l'instant c'est un peu tendu entre eux. Mais bon, disons que je pense que c'est ouais, une sorte de petit concours de quéquettes, c'est prometteur. Non, mais en plus on peut imaginer que ce gars-là essaie aussi de se placer pour peut-être voilà, se faire recruter par une grosse boîte. Pas forcément, parce que comme je le disais, il est passé par Google où il n'a pas du tout apprécié ce qu'on demandait aux ingénieurs. Ouais. Il est passé par Facebook où en fait il a été horrifié parce que Facebook faisait de l'intelligence artificielle. Il disait chez Facebook, on fait en sorte, grâce à l'intelligence artificielle, que les gens restent plus longtemps sur le service. C'est pas ce que je veux faire d'intelligence artificielle. Voilà, pour lui, donc il a une vision un petit peu. Enfin, c'est ce qu'il dit toujours. Hein, il dit voilà, moi j'obéis pas aux lois, j'obéis à la morale. Mm-hmm. Donc il y a une sorte de vision de ce qui doit être juste. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que c'est un peu sa motivation derrière. Alors, s'il peut se faire de l'argent, c'est un bon américain, il va dire non. Raison, ça, on peut pas l'empêcher. Hein. Voilà, et sachez que les images qu'on vous a montrées sont signées Bloomberg Business. Hein. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Mais de rien. Pierre Fontaine, donc de la rédaction 0net.com. Si vous voulez avoir. Plus d'informations concernant ce sujet qui est passionnant, un article vous attend donc sur la home de 01net. Pierre, tu vas laisser la place maintenant à Delphine Sabatier. Je pars avec le micro. Voilà. Non, tu laisses le micro. Là. Parce que tu serais capable de nous le hacker. Alors attention à toi quand même. Comme vous le savez, vous pouvez interagir en direct et en direct. Je cherche un autre mot, mais non, c'est en direct. Non, il y a en fait. Bon, en tu live. Peux dire en live. En si direct tu veux. Et en live. Ça veut dire voilà. La même chose en fait. Sur Twitter, hashtag 01live. Posez vos questions. Allez-y. On y répond en direct. Et tout. Ça, c'est quand on fait 36 trucs en même temps. Et voilà, c'est ça. Il est 18h15, vous êtes sur 01net TV et c'est 01live hebdo. Avant de faire un petit détour du côté du Labo 01net avec Jean-Sébastien Zanqui et Stéphanie Molinier pour notre petite récolte de produits high-tech de ce jeudi, c'est Delphine Sabatier que nous accueillons. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonsoir bonjour, Delphine. Bonsoir tout le monde. Directrice de rédaction de 01net.com. Pour sa chronique Zoom Actu. Alors Delphine, cette semaine, l'Union européenne aurait donc l'intention d'interdire les réseaux sociaux aux adolescents de moins de 16 ans. Est-ce possible? Est-ce crédible? Oui, tout à fait. C'est absolument sérieux. Là, on n'est pas en train de parler d'une blague. Hein. C'est pourtant difficile à croire. Mais cette disposition, elle est inscrite dans un accord donc, qui a été conclu mardi. C'est assez récent. Et les jeunes de moins de 13 ou 16 ans, ça dépendra des pays, on l'expliquera plus loin, n'auront plus le droit d'accéder sans l'accord parental aux réseaux sociaux. Alors, c'est écrit dans un texte donc, qui est encore pour l'instant un accord, mais qui vient d'être validé aujourd'hui même par la Commission des libertés du Parlement européen. Et la prochaine étape, en fait, là, pour l'instant, on va dire que c'est vraiment un compromis qui a été trouvé entre le Conseil, le Parlement et la Commission. La prochaine étape sera un vote final. Delphine, quel est l'objectif de ce texte? Alors là, on revoit l'ensemble des règles qui concernent les données personnelles en Europe. Il fallait quand même faire une petite mise à jour. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments actuellement qui sont d'actualité. L'objectif, c'est évidemment de donner plus de contrôle aux citoyens sur leurs données personnelles. C'est aussi de protéger les mineurs. Et puis, c'est de faire respecter ce nouveau règlement par l'ensemble des acteurs et des géants du web. Alors, il va y avoir quand même des sanctions qui sont prévues et qui sont assez importantes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que tout contrevenant risque une amende qui peut aller jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires. On imagine pour un Google, un Facebook. Ça peut s'élever. Voilà, on peut parler de milliards d'euros. Donc, c'est assez dissuasif. En France, c'est la CNIL hein, qui appliquera cette sanction. Ah. Et ça devrait être pour quand? C'est vrai que ça appliquerait quand? Alors donc, la échéance qui vient de tomber aujourd'hui avec cette commission qui a validé le texte, et puis on aura un vote final probablement, on dit que c'est début 2016, probablement au printemps. Et ensuite, il faut savoir qu'un règlement, ce n'est pas comme une directive, c'est quelque chose qui s'applique comme ça sans discussion dans les États, sans adaptation en fait, et ça doit s'appliquer dans les 2 ans. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup Delphine Sabatier. Eh ben, je t'en prie. On peut peut-être expliquer pourquoi 13 ou 16 ans. Ben oui. Parce que oui, parce ça, que c'est un petit peu l'énigme. Mmh. Pourquoi on n'a pas réussi à imposer finalement un âge à tout le monde? Eh bien, cet âge, en fait, personne ne s'est mis d'accord. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec la présidente de la CNIL là, récemment. Elle ne sait pas d'où vient cet âge de 16 ans. Elle ne sait pas d'où ça sort. Non. Voilà. Donc, il y a des pays qui ont dû demander. Peut-être que dans certains pays européens, j'ai pas vérifié. C'est la maturité sociale. Voilà. C'est la majorité sur le web. Alors, ce sera 13 ans minimum, maximum 16 ans. Ça peut être donc dans cette fourchette-là. Je rappelle quand même que déjà, sur les réseaux sociaux, il y a une limite d'âge. C'est interdit au moins de 13 ans. 13 ans, ouais, mais voilà. Bon, c'est facilement contournable. Alors, c'est contournable, mais surtout, ce n'est pas une règle européenne. C'est les acteurs eux-mêmes du web qui ont instauré cette règle parce que ça correspond à la loi américaine. Ouais, ouais. Mais, et alors, est-ce que, bon, la vraie question, c'est est-ce que c'est applicable, ce contrôle parental? Alors, moi, ça me semble quand même très compliqué. Alors oui, c'est applicable à partir du moment où c'est une loi, il va falloir respecter la loi. Ce qui semble compliqué, c'est que là, on va devoir, en plus de vérifier l'âge qui peut être modifiable facilement, on va devoir vérifier l'accord parental. L'authenticité de cet accord parental. Et puis j'imagine mal Facebook, Instagram, Snapchat se plier à ce genre de choses parce qu'il va y avoir des âges différents selon les pays. Vérifier l'accord parental, ça veut dire demander de nouvelles informations, de nouvelles données personnelles. Est-ce que c'est vraiment une protection que d'en rajouter? Je ne suis pas sûre. Et puis imaginez qu'un ado de 15 ans vienne te voir, Jérôme, en disant « Papa, est-ce que je peux m'inscrire sur Snapchat ?» Non. Moi, j'y crois moyen. Je pense que les ados ont envie de trouver des solutions tout seuls pour se débrouiller. Et puis enfin, j'ai aussi un doute sur la validité de l'accord parental, parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui ne connaissent pas les services dédiés aux jeunes et qui ne regardent pas non plus bien, scrupuleusement, toutes les règles de confidentialité sur les nouveaux réseaux sociaux. Non, mais surtout, est-ce que c'est pas trop tard? Parce que voilà, aujourd'hui, on sait que tous les ados sont tous inscrits. Non, ils sont pas tous inscrits. Pas tous, mais 98%. On peut parier que la France restera sur une règle de 13 ans. Voilà, ouais, voilà c'est ce que j'espère. Mais il y aura quand même cette nouvelle contrainte d'accord parental qui sera demandée. Merci beaucoup Delphine Sabatier, directrice des rédactions de Zéronet.com. Et justement, le sondage contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans sans autorisation parentale, eh bien pour à 65%, non à 35%. Et Caribou qui nous dit... On continue à voter. Ah, ils sont pour. Non, mais moi, je ouais, c'est bizarre. C'est l'inverse. Mais non. Je faisais une blague en disant ça. Mais pas du tout. Les internautes qui nous regardent sont responsables. Et ou alors, on a un bus de retraités qui vient de voter. Mais pas du tout. Mais les ados sont beaucoup plus responsables que ce que vous croyez. Nous avons Caribou qui nous dit interdire Facebook et Twitter pour les moins de 16 ans. Ils vont perdre 75% des utilisateurs. Et c'est vrai que... Évidemment, mais il y a des services qui sont dédiés uniquement même aux jeunes. Ouais, c'est clair. Delphine, merci. 18h20. Allez, direction le labo 01net maintenant pour toute autre chose. Avec le hashtag Zéro en Live, bien sûr, pour voter et pour surtout nous dire un petit peu ce que vous pensez des produits qu'on va évoquer maintenant. Vous le savez, vous pouvez réagir en temps réel sur Twitter avec le hashtag Zéro en Live. Ils nous ont rejoints dans ce studio, Stéphanie Molinier et Jean-Sébastien Zanti. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, ça va Stéphanie? Ça va. Hein, parce que vous revenez de loin, je crois. Oui. Elle arrive de Chine, Stéphanie. De Chine, je suis un peu décalée. Mais... C'était bien ou pas la Chine? Oui, bah, c'est toujours... C'est toujours super de découvrir pays. Où ça en Chine? Shenzhen. Shenzhen, oui, qui est on va dire la mecque des... Alors, ne me posez pas de questions, je n'ai pas vu de ligne de fabrication. On ne m'a pas laissé rentrer dans l'usine. Elle a signé de son sang. Mais bon, toutes ces informations confidentielles. Mais bon, j'ai vu quand même des trucs assez sympas. Bon, on aura l'occasion sans doute d'en reparler, Stéphanie, je pense. Stéphanie est venue avec un téléphone qu'on n'attendait pas. Et pourtant, ça y est, il est là. C'est un nouveau BlackBerry, les amis. Il arrive en France. Donc voilà, c'est le téléphone, le micro, Stéphanie. Donc c'est le fameux BlackBerry Priv. Pour BlackBerry, c'est vraiment un événement puisque c'est son premier smartphone sous Android. Android. Voilà, pas sous BlackBerry, mais sous Android. Waouh. Donc ça y est, ils ont fait leur coming out. Ils sont passés du mauvais côté de la force. Mais c'est bien ça. Mais c'était hyper important parce qu'en fait, je pense que les utilisateurs réclamaient à corps et à cri un store digne de ce nom. Et avec Android, puisqu'il s'agit vraiment d'un Android pur. D'accord. Vraiment, ça colle à ce qu'on connaît d'Android en version 5.1 pour l'instant.
et 6.0 Marshmallow d'ici le début de l'année. Moi j'ai une question Stéphanie, parce que c'est vrai que BlackBerry a toujours prôné la sécurité, le cryptage des données, etc. avec un OS maison. Tout à fait, bien fermé, etc. Et là, ils prennent quand même l'OS qui est sans doute le plus passoire du moment, ce qui est quand même Android. C'est pas un paradoxe ça? Oui, mais en fait, il y a quand même eu un gros travail de BlackBerry avec Google justement pour renforcer tout ce qui est sécurité. Et en fait, à partir de ce moment-là où ils se sont mis d'accord avec Google, il va y avoir des mises à jour de sécurité tous les mois. Oui. C'est vraiment quelque chose et ils l'ont vraiment créé au niveau de l'architecture du smartphone. Hein, c'est vraiment intrinsèque au smartphone. Mmh. Et d'autre part, pour faire l'éducation de l'utilisateur, on a une application qui s'appelle D-Tech qui en fait indique à l'utilisateur si le statut de sécurité du smartphone est vraiment au vert. D'accord. Donc ça va de l'inciter à créer un mot de passe pour protéger son téléphone, à des choses plus importantes. C'est un Android sécurisé. À supprimer éventuellement des applications qui demandent à farfouiller dans les contacts, dans la géolocalisation, alors que c'est pas utile. Mais Stéphanie, est-ce que ça a un sens aujourd'hui d'acheter un BlackBerry finalement, sous Android? Est-ce que ça a un intérêt ou... Carrément. Enfin, c'est un smartphone Android, donc il rejoint les... La galaxie des smartphones Android. La grande famille des smartphones Android. Et surtout, celui-là, il est super, super équipé. Donc ça va, je pense, éventuellement intéresser les geeks. Est-ce qu'il y a une continuité avec les outils d'administration d'Android pour les entreprises? Les outils d'administration d'Android pour les entreprises, j'en ai pas d'Android, pas d'Android de BlackBerry, je veux dire. Mais parce que c'est ça, c'est que BlackBerry proposait toute une chaîne. Certaines choses. Alors, c'est clair, on n'a pas la gestuelle à laquelle on s'était habitué sur BlackBerry 10, qui était assez sympa. Ouais. Mais en revanche, on va retrouver vraiment des outils de productivité. On va retrouver le hub qui réunit tous les messages. D'accord. Et surtout, on a... Oh, on a un clavier. On a un clavier, un vrai clavier. Oula, refaites-nous ça, le geste là qu'on voit bien. Voilà. Tac. Oh. Ah mais c'est superbe. Alors on a non seulement le clavier virtuel. Alors qu'il est assez, on a tellement perdu l'habitude de voir des claviers. Alors là, je précise, il est en QWERTY. Il est évident que pour la France, les premiers exemplaires qui seront livrés seront en AZERTY. Pourquoi ils n'ont pas sorti ça avant? Et c'est le clavier du passeport. Ah, donc ouais. En fait, c'est un clavier capacitif. Ce qui fait que on a la gestuelle propre au clavier. Et tu veux le mettre un peu sur la tranche pour montrer que malgré ça, il reste assez Il fait assez fin, à peine plus de 9 mm d'épaisseur. D'accord. Donc c'est quand même un très beau smartphone. Qui coûte combien, Stéphanie? Qui coûte cher, 799 €. Ah ouais. Mais l'équipement est à la hauteur du prix. D'accord. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a une dalle Super AMOLED incurvée. Qu'ils ont chipé à Samsung. Ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose, ouais. C'est le même écran que le Edge. Probablement chipé à Samsung, puisque c'est un écran Super AMOLED Quad HD. Oui, d'accord. Donc c'est le même écran que Samsung. Et on retrouve ce qu'on avait chez Samsung, mais en un petit peu, je dirais, plus productif. Mmh. C'est la petite barre sur le côté. Ah oui. Qui va donner accès directement à son agenda, à ses mails. Ses contacts, etc. Et puis Snapdragon 808, capteur photo 808. Capteur photo 18 mégapixels. D'accord. Avec stabilisation. Donc c'est quand même ce qui se fait de mieux en matière de technologie à l'intérieur. Ouais. Et par rapport à Samsung, mémoire de 32 gigas extensible. Très bien. En plus. Moi j'achète. Franchement, il est équipé. Tu achètes un BlackBerry, toi? Bah, écoute, ça c'est quand même la meilleure blague des fêtes de fin d'année que tu viens de me sortir. Hein, franchement, alors là, écoutez, si Jérôme un jour achète un BlackBerry, là franchement, mais me mets en slip. Mais pourquoi? Je vous dis, non mais alors là, sincèrement, je me mets en slip et je danse la cocaracha sur cette table. Mais il faudra musclé parce que je le précise, c'est un appareil qui pèse quand même assez lourd et qui est assez volumineux. D'accord. 188 grammes. Non. Par rapport. Et en plus, l'arrière est vachement sympa. J'ai amené... Les amis, on a Jean-Sébastien qui est là, juste à côté. Il a deux trucs à nous présenter. Merci Jean-Sébastien. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et on voit quand même la différence. Bon, pour ce BlackBerry qui s'appelle comment, Stéphanie, déjà? Le nom? Brive. Parce que Brive, c'est privacy. Dans le sud-ouest. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. J'adore. Merci c'est beaucoup. C'est le smartphone du sud-ouest. C'est ça. Le BlackBerry. Avec le R qui roule. Ah, je peux vous montrer un truc là? Oui, vas-y. C'est bon, en plus on a tout à fait le temps. Donc regardez, c'est juste une parenthèse. Alors vous allez voir, juste avant, c'est une blague à la Jérôme. C'est drôle. La vie était mieux avant quand Apple et BlackBerry étaient seulement des fruits.
C'est rigolo, hein? Merci voilà, beaucoup. Ça, ça c'était la minute de silence. C'est un copain qui m'a envoyé ça de Thaïlande. Ah bah, oui, vous savez des tout. Copains un peu chelous quand même. Hein. Bon. Jean-Sébastien, oui, bonjour, merci bonjour. D'être là. Jean-Sébastien qui subit évidemment tout ça, le pauvre. Non, mais ça méritait bon, quand même. Tient, Blackberry quand même. Sous Android, oui, c'est un événement. Ça sera le dernier en plus. C'est ça qu'il faut dire aussi, ça risque d'être le dernier. Mais enfin bon, on va voir. On verra. Sauf si Jérôme l'achète. J'ai même cotisé pour... Oui, le Pixel C. Le Pixel C. Alors ça fait un moment qu'on entend parler. Ça aussi j'ai envie de l'acheter. Ça y est, là il est sorti. Oui, donc Pixel C, la tablette de Google qui est voilà donc le qui est sous la marque Google effectivement, qui est fabriqué du coup par la société elle-même. Vraiment très sympa. Enfin on l'a testé, hyper performant sous Tegra X1. Excuse-moi je te coupe, mais c'est vrai c'est intéressant ce que tu dis. D'habitude en général Google envoie un cahier des charges à des grands constructeurs d'informatique pour faire ses smartphones. Exactement. Là, c'est vraiment Google qui l'a fait. Tout à fait. Alors, tablette. Google n'a pas d'usine, hein, c'est comme Apple ou autre, mais c'est eux mais directement qui l'ont géré et pas avec un autre partenaire comme Huawei ou d'autres, comme on a pu voir avec les derniers Nexus. Donc, tablette avec ce clavier qui est assez intéressant puisqu'il est magnétique. Il suffit de le coller à la tablette et ça nous fait un petit joli. C'est joli. Et le clavier, donc qui est Bluetooth, hein, puisqu'il n'est pas relié à... sans fil, se recharge grâce à la batterie de la tablette. En plus, voilà, c'est assez pratique. D'accord. C'est quelle taille d'écran? C'est un écran 10 pouces. 10 pouces. Voilà, 10 pouces. Donc c'est vraiment le principal concurrent de l'iPad R2. Hein. C'est le même tarif. Donc pardon, clavier compris ou clavier? Alors non, sans le clavier, le clavier est à 169 euros en option. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est le concurrent de ce que j'ai là? La Surface Pro 4. Non, c'est beaucoup plus joli. Pas tout à fait. Alors déjà. Et non, pas tout à fait. La Surface Pro 4 a un clavier quand même qui est beaucoup plus praticable, on va dire. Le clavier, ça reste un clavier de dépannage. Parce que l'écran est plus petit. Donc voilà, donc c'est quand même assez confortable. Il faut prendre un petit peu l'habitude, mais c'est complètement confortable et vraiment utilisable voilà, sans problème. Alors ça tourne sous quel OS? Alors ça tourne, voilà. Alors ça, c'est par contre une vraie question qui est intéressante parce que ça tourne sous Android 6, donc. Et c'est un peu une surprise. Parce que normalement, jusqu'à présent, toute la gamme Pixel, on va dire, chez Google, était plutôt sur Chrome OS, qui était, voilà, on va dire, l'OS pour ordinateur. Mais c'était quand même un peu mieux adapté à un usage ordinateur quand on le prend comme vraiment avec un clavier. Il n'y a pas de souris, par exemple. Voilà, alors là, il n'y a pas de souris, par exemple. Donc on est souvent en train de faire ça comme gestuel. C'est pas forcément le plus adapté. Exactement, quand on a un clavier avec un iPad, c'est la même chose. Donc voilà, il y a pas mal d'interrogations sur le choix de cet OS. Pourquoi avoir choisi Android plutôt que Chrome OS? Manifestement, Google a choisi ça quelques semaines avant le lancement. Ils hésitent entre les deux et finalement, ils se sont dit, bon, c'est le moment de sortie d'Android 6, donc on y va. On a l'impression qu'il laisse un petit peu comme ça de côté Chrome OS. Oui, jusqu'à présent, voilà, c'était intégré dans ces machines, Pixel sous Chrome OS, les Chromebooks, etc. Voilà, maintenant, ils ont tendance à le mettre un peu de côté. Au niveau hardware, on est au top du top là. Au niveau hardware, vraiment super, hyper puissant en termes de jeux, par exemple. C'est hyper rapide, on est autour des 50 FPS dans les jeux, donc c'est complètement jouable, il n'y a pas de saccade, rien du tout. Et surtout en termes d'autonomie, vraiment c'est un cran au-dessus de l'iPad R2. On a plusieurs, je crois qu'on avait environ une vingtaine d'heures en surf. Enfin, vraiment c'est un super... parce qu'en fait il y a deux batteries dans ce truc-là, non? Alors non, il y a une batterie effectivement dans le clavier, mais qui ne charge pas la tablette, c'est l'inverse. Qu'il y a dans le clavier ne charge que le clavier en fait. Exactement. Elle ne sert que pour alimenter le clavier. C'est la batterie de la tablette qui va charger le clavier quand elle est magnétique. Les deux en fait se rechargent. Non. D'accord. Bon ben voilà. À voir. Après on ne sait pas trop. Hein. C'est un peu un produit. Un peu ovni hein, chez Google, on va voir si effectivement. On va pouvoir le trouver facilement, ça s'achète facilement. Il est sur le Google Store, donc vous le trouvez directement en ligne là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est dispo. Voilà, et on va terminer par un Motorola. Voilà. Alors, ex-Google, maintenant c'est Lenovo. Voilà, maintenant c'est Lenovo, effectivement. Même si l'OS, enfin l'Android qui livre avec, est quand même relativement très pur, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de. Pas une interface, une surcouche voilà, qui prend beaucoup de place comme chez d'autres constructeurs. Donc
vraiment la caractéristique principale, pardon, c'est effectivement la solidité de son écran. Hein, on peut y aller, il n'y a pas de souci. On l'a fait tomber 50 fois. Il y va mollo, j'en sais. Oui, je suis c'est costaud, hein, oui. Il faut y aller tranquille quand même. Mais Motorola le garantit contre les bris pendant 4 ans. Effectivement, ils ne prennent pas dans la garantie le G contre une cloison. Faut pas que ce soit fait de manière. Dessus avec ton 4x4. Oui, voilà, par exemple. Ou sa trottinette électrique. Non, mais c'est vrai que pour les chutes accidentelles, en théorie, on a pour le coup, là, on l'a fait tomber des tonnes de fois, il n'y a aucun souci, il tient le coup. Et puis quand même, plutôt en dehors de cette caractéristique, il est hyper performant. Enfin, bon, c'est un Snapdragon 810, on connaît un peu les problèmes du Snapdragon 810, il chauffe un petit peu, etc. Mais en termes de jeu 3D, pareil, c'est parfait. En termes d'autonomie, très bonne aussi. Et puis il y a ce côté, en plus, écran OLED. Donc là aussi, hyper précis, contraste excellent. L'autonomie, pour y revenir, c'est 21 heures en surf. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Et le capteur photo, là aussi performant. C'est-à-dire que par rapport au Galaxy S6 Edge Plus, qui est quand même la référence du marché, le centre des photos est même plus net que le Galaxy 7 Plus. Alors après, ça se gâte sur les bords, c'est-à-dire que les bords commencent à être floutés. Mais globalement, l'ensemble, vraiment super bonne photo. Donc, d'ailleurs, le prix s'en ressent, parce que c'est vraiment du haut de gamme. Voilà, c'est 700 euros. Hein, donc c'est, c'est un prix pour le coup. C'est la maladie des 700 euros maintenant dans les smartphones. Ouais, c'est le haut de gamme, segment haut de gamme, c'est 700 euros, pas moins. Mais très bon choix, et on peut le personnaliser sur Automaker, le site de Motorola. Donc si on n'aime pas le dos en espèce de tissu, alors ils appellent ça du nylon balistique. C'est ce qu'il y a dans les dans les canons. Donc voilà, mais on peut mettre du bois, on peut mettre du cuir sur Motorola. Donc choix sympa. Pardon, parenthèse, on peut redire le prix de la tablette Pixel C. Oui, la tablette Pixel C, c'est 499 euros en version 32 Go et 605 euros en version 64 Go. Plus le clavier. Plus le clavier à 169 euros. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Voilà. Jean-Sébastien, vous savez, de la rédaction de 0net.fr. Jérôme, un dernier petit détour du côté du sondage. Tout à fait. C'était la question 0net euro du jour. Pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans sans autorisation parentale, eh bien, vous êtes favorable à cette interdiction à 66%. C'est étonnant, mais pourquoi pas. Oui. Hein, en tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez continuer de voter tranquillement durant les jours qui viennent. Vous savez que ce sondage est sur 0net.com. Toute la semaine. Jérôme. C'est la fin. Ouais. C'est la fin. Alors on va pas se faire des adieux déchirants. Non, parce que ce n'est pas des adieux, c'est un au revoir. Mais n'est qu'un au revoir. Alors sachez qu'on vous réserve pas mal de surprises d'ici les fêtes quand même malgré tout, avec un fight déjà qui s'annonce très sympathique. Ah oui. Entre la Surface Pro 4 et l'iPad Pro. Voilà. Ouais, c'est Jérôme a choisi l'iPad Pro, moi la Surface Pro 4. Il risque de saigner, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc si vous hésitez entre ces deux produits haut de gamme, eh bien regardez très prochainement ce fight. Voilà, ça sera début de semaine prochaine. On vous réserve aussi un nouveau village startup avec 4 startups qu'on va vous faire découvrir. Et puis on vous prépare d'ores et déjà le CES de Las Vegas qui sera suivi sur Zéro Net TV. Ce sera le grand événement de la rentrée à partir du 5 janvier environ. On aura l'occasion de vous en reparler. Merci de nous avoir suivis cette semaine encore. Merci à Florian Beaufreton et Pierre Thiolin qui est Jérôme Giliberto qui ont assuré la réalisation technique. Et on se retrouve donc bien en janvier. Oui, d'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année surtout et bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Elles arrivent. Et bonne soirée. Salut à tous.